Coordonnateur SDP, qui c'est secteur démocratique et populaire, M. André Michel, finalement sorti dans silence li sous dossier assassinat président Jovenel Moïse là. Malgré toute divergence, nous connaissons citoyen ça a gagné avec et président Jovenel Moïse dans Vival. Eh bien, journée jodi a li parler mon quoi que parole sa yo volo avec diamant. C'est pas ni pour nous voyer monter, mais M. André Michel, j'aime du nouan, par rapport à tout ça que qu'on a dit sur Internet là, par rapport à menace qu'il a fait propos sous Jovenel Moïse, eh bien, il pas jamais d'accord pour assassiner le président comme ça. Mais, non ça tout, est-ce que M. André Michel sérieux? Les nous songer qui j'en te qu'on a dit clairement, si président Jovenel Moïse pas de pouvoir, y a Vilbrin Guillaume Samli. Or, nous qu'a fait on t'y remonter dans l'histoire, Vilbrin Guillaume Sam, eh bien, l'été mouri c'est assassiné, yo assassiné. Est-ce que bouche M. André Michel son bouche médiocre? J'en nous connais haïtien men dil. Donc, il a médiocre li sous Jovenel Moïse, eh bien, tout ça l'été mandé yo rivé. Eh bien, je ne j'en dis pas, les cap a choisi, applaudi parce que toute saleté souhaite arriver, eh bien, les obligé parler nan, pour bien Jovenel Moïse dans les affaires de la Mossa. Je me rappelle nous clairement, commissaire Port-au-Prince et M. Belford, eh bien, tu es sorti, ça ne décarrelé, yon paquet et. Comment ça va encore, même papa? Yon paquet mandat. Mandat sorti yo, donc yon ta gen pouwe, surtout avec Paul Denis. Paul Denis yon ne ki yon karrière en politique dans le pays d'Haïti. Gen tout et président PHTK, Liné Balthazar. Eh bien, mouche sa yo, après 27 jours et assassinat président Jovenel Moïse là, c'est le ça, nous te ka di, eh bien, commissaire gouvernement, t'es obligé de sortir mandat pour le mettre derrière Monsieur Sayo. Que citoyen, M. André Michel, trouve que qui vraiment absurde, qui vraiment pas normal, côté que yon dossier qui t'a supposé nan men San de Karele et qui t'a supposé nan cabinet d'instruction pour faire suivi, eh bien, journée jodi a nou dossier a toujours nan men commissaire gouvernement. Donc, mesdames et messieurs, je vais critiquer Jean processus, procédure à fait dans le dossier ça. Et c'est ça qui fait même les parler de persécution politique dans le dossier assassinat Jovenel Moïse là. Donc, d'une manière, l'idée doit être, monsieur, yo, que ce soit président PHTK, Liné Balthazar, que ce soit Paul Denis, et lui-même tout, par rapport à tout ça que tu as dit sur Internet là, par rapport à gens qui t'a demandé pour peuple là, si je n'ai pas quitté le pouvoir, il n'y a pas de reprendre, il y a assassiné. Eh bien, je vous dis, il était calme. Mais, dans le discours de Mme Michel, il était gagné, et en plus, il était trouvé, et il était un petit bon, soi-disant, abolotcho. Parce que, il n'y a pas de l'abdi à l'actuel, si Jovenel était encore vivant, il n'y a jamais dit comme ça. Donc, en plus, il dit, est-ce qu'il met là, et ou du moins, ce coordonnateur SDPA, qui c'est secteur démocratique et populaire, pas yon tambour de bunda. Eh bien, dans ce sens, ça, m'a quitté nous après c'est M. André Michel, qui t'est participé dans une grosse émission dans la Coupe Port-au-Prince, eh bien, pour te parler comme ça de Sandy Karele, ancien président Jovenel Moïse, Port Diable, regret de mémoire, eh bien, qui parti pour l'au-delà, nous pas jamais là encore. Donc, n'après, bon, bah, qu'on est, c'est là nous mourons après, eh bien, nous avons toujours parlé de lui, mais même jour, journée aujourd'hui, M. André Michel montre clairement, entre lui-même avec Jovenel Moïse, pas vraiment gagné. Est-ce que nous sommes d'accord avec Paul Sao? Mes amis, entendez M. André Michel. Il n'y a pas de gouvernement. Jusqu'à présent, nous ne pouvons pas reconnaître aucun gouvernement, nous ne pouvons pas reconnaître aucun premier ministre. C'est-à-dire qu'on vit institutionnel, qu'on vit politique dans notre pays. Et nous disons, tout le temps, la politique encore, à soi,
tout autant qu'à gagner un consensus politique qui baille un accord politique, nous ne pouvons pas reconnaître aucun gouvernement, nous ne pouvons pas reconnaître aucun premier ministre, aucun ministre, nous ne pouvons pas reconnaître personne. Et le secteur démocratique et populaire est engagé dans la bataille pour nous capables de résoudre la crise politique, pour nous capables de joindre un accord politique. C'est dans ce sens-là, les garçons disent nous parlons avec tout le monde dans la société civile, tout le monde dans la classe politique. Et je dis, nous parlons avec la communauté internationale. Nous parlons avec M. Ariel Henry et nous disons dans la figure que jusqu'à présent, pour le secteur démocratique et populaire, il n'est pas premier ministre. Nous ne pouvons pas reconnaître comme premier ministre. Et nous ne pouvons pas reconnaître aucun premier ministre, d'autant pas un accord politique. Et nous disons le matin en tout, avec la communauté internationale là que nous rencontrons. Nous disons, pour le secteur démocratique et populaire, 7 juillet 2021, ils ont assassiné Jovenel Moïse. Et comme Jovenel Moïse a écrasé toute institution dans le pays, a écrasé le pays, je dis à nous avons une situation exceptionnelle. Pour nous sortir dans cette situation, il faut qu'on consensus politique qui baille un accord politique. Accord politique, ça gagne une série d'éléments, une série de dossiers qui doivent en dedans accord politique ça. Accord politique ça, premier bagaille, c'est que faut le battre un gouvernement consensus, c'est un gouvernement PHTK, un gouvernement comme si nous avons fait les vins sans rite là, comme ministre de la Justice, nous conserver tout le gouvernement et puis on a dit l'élection. C'est comme si nous étions les imbéciles. Non, ça ne marchera pas comme ça. Un gouvernement de consensus, un gouvernement équilibré. Deuxième élément, nous disons nous-mêmes, nous voulons un gouvernement, un exécutif bicéphale. Nous disons communauté internationale là ça, et nous disons M. Ariel Henry ça, nous voulons un exécutif bicéphale, c'est-à-dire fort bon président, fort bon premier ministre, et c'est conforme à la Constitution, c'est conforme aux lois de la République. Nous disons dans l'accord politique ça, une chose qui est fondamentale pour nous, c'est la libération des prisonniers politiques. Nous disons avec la communauté internationale la matin, parce que nous rencontrons, nous disons avec M. Ariel Henry, qui n'est pas premier ministre parce qu'il n'est pas dans la politique, mais qui occupe l'espace climatique, et le Chicago, l'autre bord. Il faut qu'il y ait libération des prisonniers politiques. Et des prisonniers politiques, tant pour Anel Bélisère, tant pour Kili, tant pour Job et tout l'audio, qui est parpillé à travers le pays. Au Cap Haïtien, Jacques Mel, Nani, dans le plateau central, faut tout prisonnier politique ça est libéré. Et nous disons ça, pas bien accord politique, si prisonnier politique n'est pas libéré, et nous insistons sur ça. L'autre élément qui est important, nous parlons maintenant avec la communauté internationale et avec M. Ariel Henry, que nous ne reconnaissons pas comme premier ministre, mais qui occupe le primature. C'est question élection. D'entrée de jeu, le secteur démocratique et populaire dit très clairement, nous-mêmes nous rejetons la parole élection dans la fin année 2021. Par aucune condition qui réunit pour une élection. Et dans l'accord politique là, il faut qu'un conseil électoral crédible, un conseil électoral honnête, qui fait avec participation l'ensemble du secteur clé dans le pays. Un secteur pour la presse, pour ne pas faire un conseil électoral pour le baladin. Au secteur d'un coup FBH, la Fédération des barreaux de la République, qui sont un secteur très représentatif, ou pas qu'à des conseils électoraux sur la dent. Au secteur d'un coup, les syndicats font la dent. Le secteur paysan font un conseil électoral là. Au secteur d'un coup, secteur vaudouisan font la dent. Secteur droits humains font la dent. Conférence épiscopale font la dent. Etc. etc. C'est-à-dire que le conseil électoral est un vol équilibré. Vous parlez des organisations populaires. Oui, en dedans, et conseil électoral. Ça. Bref, pour nous, il faut qu'on conseil électoral. Le conseil électoral, ça, c'est lui-même qui pourra le faire en évaluation du processus électoral, qui pourra jeter question 4 des malheurs là.
qui pour dire maintenant qui peut regarder l'élection. Pour l'élection en fin d'année 2021, on a parlé, c'est une figure folie à l'élection. Et nous disons, il y a un élément fondamental qui est dans tout accord politique, c'est la sécurité. Il faut casser les gants, il faut désarmer les groupes armés. Nous connaissons Jovenel Moïse. Non seulement craser toute institution pays, mais avant de mourir, il a fait alliance avec gang pour craser le pays, pour violer le monde, pour tuer le monde, pour voler bagay monde, pour assassiner le monde, pour les désarmer le groupe armé. Faut craser gang yo pour capable de gagner conditions qui réunissent pour l'élection faite, le moment validé. Pas de faire aller. Nous disons, nous attachons à la question de la conférence nationale. Là. C'est là où la discussion fait. Parce que nous avons un système PZSUCE qui s'est mis dans quatre pays et puis au final assassiné Papa Nation Jean-Jacques Dessalines. Il faut craser le système PZSUCE. C'est une revendication du peuple. Le secteur démocratique et populaire ne peut jamais quitter la revendication du peuple. Nous disons une série de décisions que Jovenel Moïse te prend, des décrets te prend, il faut rentrer. Nous disons, les Jovenel Moïse prennent tes paysans, plateau central, la Tibonite, non, non, il faut reprendre tes paysans, non, mais avec, il faut les paysans en zéro. Je ne peux pas accepter ça. Vous nous arrêter avec l'oligarchie. Et ce jour, Jovenel qui propose la combattre l'oligarque et puis la folle des paysans, bah, grand nègre. C'est un menteur, c'est un bluffeur. Vous n'avez pas faire confiance. Ok? Nous disons tes paysans, Jovenel te prend pour bah, à peine, c'est pour reprendre des paysans. On va être fondamental. Nous disons, il faut que la justice fonctionnelle. Ça est important, le fonctionnement de l'appareil judiciaire. Il y a des juges d'instruction, il y a des juges honnêtes, il n'y a pas jamais nommé, donc pour Jean-Wilder Morin, il n'y a pas jamais nommé comme juge d'instruction. Bon, pas notre juge d'instruction qui est honnête, si SPJ dit au dernier travail, il n'y a pas jamais reconduit comme juge d'instruction. Nous disons, dans l'accord politique, ça y est. Faut que question ça y adressé parce que nous ne pouvons pas accepter pour juge d'instruction, juge qui est honnête, nous mettez en dehors et puis qu'on y a c'est juge de vous, la montre taxi, la marbellise, la manou. Non, nous ne pouvons pas accepter ça. Faut que ça n'a pas politique là. Nous dit également, une série de gros dossiers de justice, fait un accord politique là. Massacre la Saline, faut que le cochon manger cadavre. Prenne action nous que Jovenel Moïse est assassiné, faut pousser ça au fait. Nous dit, massacre Cité Soleil, que Jovenel Moïse te fait avant d'être assassiné, faut pousser ça au fait. Massacre Belé, oui, faut pousser ça à penser. Massacre Delma 32, que Jovenel Moïse pas avant là, avant de là, faut pousser ça au fait. Mais c'est normal, pas normal, que tout le monde suspecte. C'est Martin Moïse qui traîne à nous. Votre procès a avancé. Nous dit procès Grégory Saint-Hilaire que Jovenel Moïse, avec sécurité par les nationales, exécuté dans l'école normale. Votre procès a avancé. Nous dit, on est dans le petit blanc tatou, nous tous les connaissons. Nous exécuté pendant le bras de la caille. Votre procès a avancé. Nous ne pouvons pas céder en iota sur la revendication du peuple. Nous disons procès Petro-Caribé. Tout le monde connaît ce qu'on appelle Petro-Caribé. RTK, Matéli, Lalo, Elatrié. Votre dossier ça avance. La mort. Le pape qui te dossier ça a campé dans vous. Alors, en gros, secteur démocratique et populaire. Volambert, clair, on démarche. Garibaldo, rencontrer tout le monde pour un accord politique. Mais premier bagage, nous ne pouvons pas reconnaître aucun premier ministre, aucun gouvernement tout autant par rapport à accord politique. Et à ce point encore, nous ne pouvons pas reconnaître Ariel Henry comme premier ministre, parce que ce n'est pas nous qui mettons pas un accord politique. À ce point encore, nous ne pouvons pas reconnaître aucun monde qui est dans le gouvernement ça. À ce point encore, nous disons, je dis à un vide politique dans notre État, pas de président, pas de premier ministre, pas de gouvernement. Nous clairons sur ça. La position du secteur démocratique. Et là, on n'a pas avancé. La police, il faut qu'on coupe de balai. On est dans le Léon Charles, on pense que nous avons démission déjà. Nous ne sommes pas confortables avec. Bref, nous avons porté
les revendications du peuple pendant toute rencontre que nous faisons avec nous dans le secteur diplomatique, l'autre dans la société civile, l'autre dans la classe politique, avec monsieur Paris, jusqu'à présent occupé et fauteuil de Mathieu. Et nous engageons pour nous faire tout ça possible pour un accord politique le plus vite possible. Et nous, société civile, marché contre, prend responsabilité. Mais marché pour la vie. Marché pour la vie, qui est la dernière génération aux gens, fédération des barons, tout le monde. Prend responsabilité, nous. Nous-mêmes, nous travaillons avec nous. Et nous, la société civile, là, et écoutez, il faut que vous travaillez tout le monde, parce que pas aucune société civile qui a droit, qui a autorité pour une résolution. Et nous, l'autre monde politique, attention, il faut que tout le monde vienne mettre sur la table là. Il n'y a personne qui a venu imposer aucune solution. Et nous disons, Ariel, vous-même, vous pouvez comprendre le ministre même, parce que vous avez un accord politique. Voilà la position que nous avons défendue aujourd'hui et avant-hier, au cours des différentes rencontres avec les secteurs que nous avons rencontrés dans le cadre de cette démarche pour aboutir à cet accord politique. Merci la presse. C'est pour ça que le secteur démocratique là, nous transparents, tout ça l'a fait. Nous faire devant la population. La Jovenel Moïse était là, c'était un assassin, c'est un criminel, c'est un menteur. Nous n'avons jamais accepté de rencontrer pendant 4 ans et demi, il fait à craser le pays. Mais je dis, nous pouvons parler avec tout le monde et nous continuer à parler avec tout le monde pour nous capables de construire le pays à son base consensuelle permanent. Pendant que continuer à porter revendication peuple, revendication jeune, monde dans le quartier populaire, revendication diaspora, revendication paysan, revendication pays, pour nous capables de faire ce système PCC dans le cadre de notre pays. Merci beaucoup, secteur démocratique et populaire. Je remercie la presse qui l'a assoyé. Nous sommes capables de faire des conférences de presse et nous féliciter tous les médias traditionnels, radio, télévision, médias en ligne, qui n'ont pas de conférences de presse en direct. Merci en pile de rester connecté avec le secteur démocratique et populaire.